Et nous avons parlé d'un nouveau départ que nous souhaitons en Haïti avec la France. Après les problèmes des dernières années où les relations étaient un petit peu affectées négativement par tous les efforts de l'ancien régime pour demander une restitution de la dette de l'indépendance, et bien aujourd'hui nous savons bien que légalement il n'y avait aucune base à cette demande. Nous voulons simplement renouveler la coopération sur de nouvelles bases et nous souhaiterions que la France nous apporte son concours. Bonjour, nous sommes maintenant, nous sommes lundi 27 février 2023. Bonjour, bonsoir tout le monde, soit à peine connecté ou sous Sofia TV 23 réseau information. Nouvelle qui fait tomber matin là, c'est que ancien premier ministre Gérald Latortu, qui a dirigé le gouvernement pays d'Haïti à sauté mars 2004 à mois juin 2006 là, mourit jeudi lundi 27 février dans pays les États-Unis. C'est ça, Peggy Jean confirmé sur Radio Caraïbe. Il fait connaître premier ministre a gagné 89 l'année et il a mouru quitté en pile bagaille derrière, comme quoi il a dirigé pays d'Haïti ensemble avec Boniface Alexandre après gros laissé frappé qui était fait dans le pays d'Haïti en 2004. Insécurité a toujours avalé terrain. Nous allons faire un virage dans le pays d'Haïti. Plusieurs correspondants vont expliquer qui s'est passé, surtout dans la ville locale, pourquoi pas dans le cap haïtien. Ils ont fait qu'on ait pu se passer 29 mouns, tagetan mouns, dans un insécurité, sorti mois janvier pour arriver mois février. Ça. Un pile détail à l'autre dans le journal. Pour journée aujourd'hui, restez connectés ensemble avec nous ou sous Sofia TV 83, c'est Réseau Paula. Pas oublier abonner ensemble avec nous et vous recevoir toute information pour nous publier sur Channel Paula. Premier ministre Gérard Latortu qui était dirigé pays de 2004 à 2006, il a vécu aux États-Unis dans l'État Floride. Il a 82 ans avec nous, Peggy Jean, journaliste qui proche premier ministre Gérard Latortu, ça fait 3 semaines depuis il était avec lui. Peggy Jean, bonjour, madame, a confirmé nouvelle là, effectivement, Gérard Latortu mourit matin. Oui, moi salue toute équipe là, et naturellement, on va comprendre que c'est avec un peu d'émotion que nous avons confirmé la nouvelle du décès de l'ancien premier ministre Gérard Latortu. Salue toute équipe là. J'ai parlé il y a moins de 5 minutes à son épouse, qui m'a confirmé la nouvelle de son décès. Et comme tu l'as dit, Pierre Ronel, il y a environ 3 semaines, j'étais en Floride, j'ai été le voir chez lui, en sa résidence privée à Boca Raton. C'était un Gérard Latortu, apparemment en santé, qui était bien de jambes. Nous t'es passé en revue la situation socio-politique du pays, et j'en t'ai posté sur Facebook. Il t'a profité de rencontre ça pour te remettre moins un exemplaire de ouvrage ça que relé le livre blanc du gouvernement de transition, disons l'œuvre législative du gouvernement de transition qui répertoriait l'ensemble des décrets et des actes administratifs qui ont été pris durant la période de la transition. Donc c'est confirmé tôt ce matin, l'ancien PM Gérard Latortu nous a quittés. Ça, il t'a souffri, puisque dernière apparition publique, il t'a montré, c'est un monde qui est en santé. Il était bah, oui, Wendell Théodore, ça, en interview. Ça a gagné environ 3 semaines que j'étais allé à Libo Caraton. Naturellement, ça fait 3e fois que je me visite. Chaque fois, j'ai eu l'occasion de faire ça. C'était un Gérard Latortu, j'ai envie de dire assez de jambes, sauf que souffle, t'es commencé où? De préférence, c'est 89 ans. Gérard Latortu a gagné environ 89 ans. Et dans la visite, ça m'a rendu, nous avons eu la chance de manger ensemble. Et M. Tessé, il y a un bien prestige. Il était voyé, madame lui prend bien là pour moi, et dans le réfrigérateur, madame n'a pas eu de difficulté pour le joindre. Il dit non, bien là, allez dans tel porte, tel côté, tel coin, après bien là. Effectivement, bien là, t'es là. Et elle t'a servi mon bière, m'était ensemble avec un ami Joël Joseph, un ancien journaliste de Signal FM, originaire de Gonaïves, Joël Joseph. Donc c'est ça, donc la nouvelle est confirmée. Donc moi t'ai voyons Gérard Latortu à tes jambes, nous t'ai passé en revue situation sociopolitique pays là, et mais la nouvelle est tombée comme une bombe et Gérard Latortu nous a quitté tôt ce matin. Merci Peggy Jean, journaliste senior, proche Premier ministre Gérard Latortu, qui confirmé pour nous nouvellement ancien Premier ministre Latortu, qui est dirigé PIA de 2004 à 2006, gouvernement transition après départ Aristide en 2004. Gérard Latortu,
pays a retenu de lui, c'est un monde qui gon franc parler, il est très spontané dans sa labdi, n'a pas rappelé à l'impossible, nous sommes tenus, guerriers, ils ont tiré sur nous, nous avons tiré sur eux tout, donc dira la tortue, c'était un monde comme ça qui était gagné en parole franc. Et n'a pas vite retendu, on fait encore Gérald Latortu, dans l'intervention de l'ancien premier ministre Gérald Latortu qui mourit matin. Le vote du Code du travail était c'était une réalisation très importante au niveau social en faveur des travailleurs haïtiens de l'époque. Alors, on me dit, je ne vais pas aller. Oh, oh, bon, tout le monde dit, il faut aller, c'est passé à Paris Théo. Et puis, je devais parler un lundi, le dimanche soir. Quelqu'un est venu me chercher là où j'étais, il a dit, bon ça, mon cher, il n'y a pas l'arrêté, je ne suis pas allé, je te connais que je ne vais pas aller, il me dit, je ne vais pas aller, je ne vais pas m'en aller. Et puis, il m'a pris l'ambassade vraiment, à l'ambassade du Guatemala, et à l'ambassade du Guatemala, j'ai dit à l'ambassadeur, ce n'est pas la peine de me déformer immédiatement le gouvernement que je suis à l'ambassade, je ne vais pas demander asile politique pour le moment, comme c'est la première fois que quelqu'un a dit non au gouvernement du Valier, besoin qui Jean, il n'a pas réagi. Et puis vraiment, le lundi, à 3h de l'après-midi, le programme n'a pas été diffusé. À ce moment-là, il y avait le ministre Cambronne qui venait. Il me dit, ah, t'es un homme qui pouvait me parler, il n'est pas venu me parler. Nous pas le chercher qu'on est côté lié, et révolution pour le joindre, il faut que je vienne dire révolution pour qu'il ne soit pas venu. Alors tout de suite, j'ai dit à l'ambassadeur du Guatemala, allez voir le ministre Chalmers, annoncer directement que je donne l'asile politique, et puis il m'a sorti. Et vraiment, il a été à l'ambassade, il a été tout de suite au ministère des Affaires étrangères. Maintenant, le temps que l'arrivée du ministère des Affaires étrangères, mon bon Macoute vient d'entrer la carrière, il a crasé toute bagaille, mais il n'a pas joué loin. Mais, ce qui est arrivé, c'est que le soir même, il y a quelqu'un, un gros potentat et du Valéris, qui a été chez des amis, parce que j'avais des amis comme Wendo, je ne m'en occupe pas de politique, je ne considère pas la filiation politique, mon nom, vos amis, ouais, des compagnies de amis qui étaient du Valéris, tout. Alors, je dis, Negla arrivé, je dis, oh, mes amis, Negla, toi, tu sais, j'ai un monde qui t'a même parlé pour le gouvernement, il finit, dit oui, et puis il n'est pas venu. Puis, il y a une assistance là, il y a un homme qui était là, dit non, non. Il n'a jamais dit oui. Personne n'a jamais demandé lui. Il dit, c'est pas possible. J'étais là au palais hier, quand telle et telle personnalité était venue, de faire un compte au président qu'on avait demandé à la tortue et que la tortue n'est pas venue. Les gars disent, c'est pas possible. Alors, mon qui dit ça, c'est ton fils. Il a dit, mon cher, bataille, dit président, c'est moi qui dis ça. Et vraiment, il a été voir au président du Valier. Il dit, comme ça, non, personne n'a jamais demandé à la tortue, monsieur Albon Menti. Le président dit, convoquez deux monsieur au moins. Du coup, le président du Valier, convoquez deux monsieur. Monsieur Vini, il m'a dit, qui est-ce qui a parlé à la tortue? Qui est-ce qui lui a écrit? Il a dit l'autre, le président dit, bande de vagabonds, c'est nous-mêmes qui avons créé ennemi pour moi, on sale le gouvernement. Alors, il m'a dit. Gérard Latortue, ancien premier ministre, naïf, hein, qui travaille à l'étranger pendant un pile temps dans plusieurs organismes internationaux avant l'idée retourner en Haïti. Paul Devine occupé poste premier ministre avant ça sous gouvernement Maniga, l'idée ministre des Affaires étrangères. Eh bien, c'est Gérald Latortue ça qui allait matin, l'idée gagné 89 l'année, confirmation proche Lio, côté Lia Vive, dans l'État Floride aux États-Unis. Donc voilà pour dernière nouvelle qui vient pour avec la vie. Gérard Latortue qui partit matin. Voilà. On arrive dans la ville province. D'abord, Donald Jameis, depuis Cap-Haïtien, bonjour. Bonjour Guerrier Dieu seul, bonjour Pierre Ronel, Johnny Ferdinand, Lydie Alexandre, bonjour. Bonjour internaute Guerrier FM, bonjour. La police nationale décide la guerre coucou rouge derrière délinquants et bandits qui ont la troublaille dans le département noir, principalement dans le Cap-Haïtien. Dans ce sens, hier dimanche 26 février, dans l'après-midi, poste l'audio Étienne Soussillon, résumé chef gang qui est les boys dans la cité du peuple, dans l'entrée sud du Cap-Haïtien. L'opération s'attalera poursuivre dans deux autres quartiers qui sont tout près, qui c'est Chauvel avec Cité Champé. Bilan, après le mot boy, il y a six autres présumés bandits qui jouent à l'arrestation. Il y a un amas-feu calibre 38 avec 16 paquets, il y a une substance qui semble avec marijuana saisie. Mais la PNH fait qu'on est boy avec plusieurs. Il y a un gang qui passe suspendre, terroriser la population qui n'a cité du peuple avec Cité Chauvel. D'après la police, la yo yo est spécialisé dans tout yé avec balle et puis rastonné avec volet. C'est mon tour. Et n'a pas rappelé 19 avec 20 février qui sont passés là dans le quartier 2e, 6e Philomène,
toujours dans le sud de ville Cap-Haïtien, la police a touillé trois individus qui étaient présentés comme prisonniers de bandits, trois jeunes garçons de la Yonne, Mesouane, Tiboulé, connu. L'autre information, pour que j'ai dit, 23 personnes qui ont mouru dans la commune Oboy, sorti dans le mois de janvier 2022 pour arriver février 2023. Mais les citoyens de la Yonne ont mouru dans la criminelle insécurité avec l'intérêt qui était en mettre dans la communauté depuis environ 10 années. C'est le collectif Monoboy Kabi Kokap qui fait révélation ça. Deux membres perspectifs, Fraïd, Joseph Michel avec Daniel Lamou. Prolongé de l'étude bien longue sous un service de légué Lavalas Marc Lamou avec Tony Voltaire, il dit qu'il va alimenter sa criminelle, sa violation au boy qui déjà la cause d'un pile habitant qui quittait la caillou. Les membres collectifs italiens nous ont marqué le fait qu'il faut que le département nord, la justice, par exemple, une intervention musculaire capable de faire la paix avec sécurité, retourner dans la commune. On a fait qu'on est dans une interview qu'on a dit avec Dr. Tony Voltaire, ça fait quelques mois, mais il était vite fait à tous les associés là, il fait qu'on est sorti de monde au boy qui était au cap, qui par contre n'a pas passé au boy, parce que ça marche sous lui. On a charmé du cap ici pour aller au Canada. Bill Donald, Jameis Nixon, Deneus, depuis Saint-Marc, bonjour. Bonjour, Guerrier Dussel, nous saluons Lydia Alexandre, Johnny Ferdinand, ensemble avec tout Périnel. Nous saluons tous les amis qui sont là au Cap Sud Journal Grand Boulevard à travers Radio Delta, Radio Dynamique FM, nous pas bien Radio Télévision, qui n'a des âmes, dirigé par Pasteur Joseph Odanis. Nous allons avec l'information, nous allons au niveau du parquet SMA, côté tribunal, première instance à SMA qui vient en tête, lui, commissaire gouvernement, qui s'est maître Vincent François, c'est Jodiel là bien pour le tendez. Délégué à Andissement Saint-Macron, vice-délégué à Andissement Saint-Macron, qui c'est Walter Montan, sous ensemble de déclarations qu'il a fait 8 février qui se passe là, dans le commissariat Saint-Marc, côté policier, il a pris un dernier hommage avec 6 frères d'agneau et que bandit est trouillé dans la commune Liancourt, 25 janvier qui se passe là. Eh bien, représentant pour le pouvoir exécutif là, il a déclaré, eh bien, bandit, ensemble avec tout policier, il a gagné même chef gang, eh bien, chef paquet qui nous a parlé avec lui matin. Donc, nous faisons connaître, il faut chercher plus à détail en ce qui après, déclaration, représentant pour le pouvoir exécutif là, et pouvoir exécutif là, qui c'est Walter Montas. Et puis, l'autre information, guerrier, c'est le dossier immigration, eh bien, contribuable, jusqu'à présent, il a toujours gagné en pile difficulté pour être capable d'arriver à déposer à tel parcours, c'est raquitter toute plumaille qui pratiquement en dans bureau de employé qui en dans bureau qui au même bien policier tout qui au même avec katan dans meyo non pas brayo puisque information qui vient de nous yon policier pour compte li gen 40 dossiers alors que nous là pour protéger et devant bureau selon en pile à contribuable qui n'était pas lié avec eux fait connait donc des policiers qui réclamaient jusqu'à $3,000 haïtiens en pour être capable de rentrer dans l'espace. Commissaire gouvernement, qui s'est maître Vincent François, qui ces derniers temps prend un bâton pèlerinage pour éviter et que contribuable ne pas suspendre et pas continuer à suspendre, et bien, victime en bas, mais à pour faire de politiciens, en même temps de militants politiques, comme avec des autorités judiciaires qui pratiquent presque dans l'espace-là, ce qui fait que tout le monde qui est sorti bien loin, ils ont dormi devant l'espace là, ils ont passé, il y en a qui fait connaître que, ils ont passé plus passé qu'un mois, ils n'ont pas jamais capable de priver, déposer un tel passeport, alors que devant eux, ben, la police qui l'a pour le bail sécurité à protéger, en pile, c'est passé dossier Mounpayo, donc, ils ont, après un coup, l'agent, dans même Mounpayo. Donc, une situation qui vraiment paraît difficile puisque, gagné un magistrat communal qui s'est mis dans le chef, qui a adopté, eh bien, il y a une grosse rencontre qui peut être faite, jeudi, pour adopter de nouvelles dispositions pour éviter, à contribuer il n'y a pas continué victime en bas mais à tout faire en bas mais raqueter de séquence toute plume toute l'image qui pratiquement eh bien ces derniers temps espace pour immigration c'est marqué tourner donc espace commercial côté c'est là en plein monde à marcher devant bureau où ils sont capables à faire l'argent Nixon Denis pour Radio Caraïbe FM. Seconde, mais nous allons parler avec juste Will Smith qui lui-même t'a gagné proche lui qui était victime d'un accident ça qui était fait dans le pays Panama, c'est de compatriotes qui était mort dans un drame ça. Will Smith, bonjour. Nous saluons Panel là et nous disons grand merci. Nous-mêmes dans niveau famille juste avec famille Emile qui vivons drame sans pareil.
côté depuis environ 8 ans, nous avons gagné deux membres de famille qui vivent au Brésil. Ils ont décidé de quitter au Brésil pour partir en voyage. Et c'est là que nous avons appris les rues au Panama. Nous avons appris sur les réseaux sociaux un accident qui fait. Et puis, 4 jours après, ils ont appris à communiquer en liste, ils ont appris à joindre nos 8 membres de famille qui ont un accident. Et puis, depuis lors, ils ont des habitants de famille. N'a pas cherché information plus bon et pas bon, nous pas capable de jouer une information sur l'accident. Et mon yo te gen passeport sur yo, yo te gen des mon yo avec yo qui gen un passeport brésilien. Depuis lors, nous pas capable d'informer est-ce que nous gen mon qui l'hôpital, est-ce que mon yo mouri. Mais liste 8 mon yo dans la tête. Oui, oui, m'gen yo là. Allez, c'est tout. M'gen Julio Emile. Et moi j'ai Linda Emile Juste, moi j'ai Anna Julia Emile, moi j'ai David Emile, moi j'ai Miradje Idormil, moi j'ai Gislaine Emile, moi j'ai Emile Mélina Idormil, et puis moi j'ai Emile Saint-Ville Mélina Idormil. Et maintenant, nous voulons faire des voix nous pour nous aider, nous faire voir nous arriver dans l'oreille aux autorités haïtiennes pour nous contacter le gouvernement, pour le gouvernement contacter l'ambassade et pays Canada, Panama, via avec l'ambassade, pour nous capable d'aider, nous joindre une trace monétaire. C'est l'objectif ça maintenant qui fait nous demander pour nous capable de faire intervention. Donc ça veut dire 8 moun sa yo nous pas gagne nouvelle yo nous pas parler qui au téléphone mais tout nous pas connaît si yo mouri si yo blessé. Oui, nous pas connaît est-ce que yo mouri, est-ce que yo blessé, tant pour gagne des informations, c'est même sur les réseaux sociaux qu'a dit gagne qui là et gagne l'autre information tout qu'a dit et yo mouri, gagne qui dit gagne qui mouri, gagne qui là, nous même nous gagne ambassade Canada qui c'est ambassade haïtienne haïtien Canada Panama pardon on t'a aimé et gouvernement haïtien yo tant de voix nous et aidez-nous via avec ambassade yo gen Canada pour t'a informer nous pour nous connaître est-ce que tout 8 moun nou yo péri est-ce que yo là est-ce que yo à l'hôpital dans la liste ça nous t'ai pas qui t'ai publié est-ce que c'est des listes moun yo dit qui t'ai dans accident, mais pas de bail détail, est-ce que vous mourrez, est-ce que vous blessé, il y a pas de bail situation yo. Non, il y a pas de bail situation yo. Il y a pas de bail situation yo, il y a seulement publié liste 8 et 16 haïtiens qui étaient à bord autobus là. OK. Et combien monde qui était mort dans accident ça, c'est bon, on pas capable connait combien monde qui était mort parce que autobus là l'aime d'appeler les et information sur les réseaux sociaux, c'est un autobus qui a environ 60 passagers à bord. 60 passagers, mais pour Haïtiens, il y a 16. OK. Donc, mais moun sa yo, c'est des moun que, c'est des familles que qu'on habitue à parler souvent. Donc, si après tout le temps ça, il va faire aucun signe. Oui, non, c'est des moun qu'on habitue à parler. Au contraire, il y a des membres familles qui encore au Brésil et qui a tenté de prendre contact. C'est très difficile et pour nous d'arriver. Bon, pour nous d'arriver à établir contact avec Mounio, ça c'est très, très difficile. Et puis, semble tout, autorité Panama, ils n'ont pas ouvert à l'information sur question accident. Bon, et c'est une famille Code Marérin, c'est une famille de l'ONAGI, une famille vraiment dépravée. Dans cette situation, ça, et nous ne connaissons pas ça, nous devons faire encore. Thank you.